Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la mythique vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire qui arrive un petit peu tard parce que il y a des personnes qui m'ont offert des cadeaux et je savais qu'elles allaient m'offrir des cadeaux que j'ai vu assez tard, donc j'ai pas pu la filmer dans la foulée de mon anniversaire qui est donc le 2 mai, donc vous verrez que cette vidéo arrive avec un petit peu de retard. Comme je le redis chaque année, mais voilà, j'ai vraiment passé l'âge de me vanter de recevoir des trucs chouettes. Cette vidéo n'est ni plus ni moins qu'une vidéo pour vous inspirer, pour offrir des choses à des gens ou pour vous acheter des choses pour vous. Ça n'est pas du tout un étalage de ma vie. Je suis honorée, touchée et très consciente de la chance que j'ai de recevoir de si beaux cadeaux. Mais on n'est pas du tout dans une notion de vantardise. Voilà, je pense que ça va de soi, mais ça va toujours mieux en le disant. On va commencer par les cadeaux que m'a offert mon chéri. Tout d'abord, j'ai eu un bon pour un massage. Ça, vous savez que c'est un cadeau qui revient souvent parce que j'aime beaucoup les massages. J'ai redécouvert très récemment les soins visage en institut, ce qui est très agréable aussi. Mais j'ai quand même une petite préférence pour les soins corps et donc principalement les massages en institut. Cette fois-ci, il m'a offert ça chez une indépendante qui est juste à côté d'Annecy. Donc je pense que je vous en reparlerai en temps voulu, mais un petit institut qui est pas très loin de la maison. Donc trop contente, c'est un soin corps d'une heure et quart. J'ai pas amené le bon sous les yeux parce que ça sert à rien que je vous le montre. Mais voilà, il m'avait fait en plus tout un petit montage, ce qui est très marrant parce que Quentin a... ça n'est pas une critique, c'est lui qui le dit. Il n'a absolument aucune fibre artistique et il a fait une sorte de montage sur PowerPoint, je sais pas sur quel logiciel il a fait ça, parce qu'il voulait pas juste m'offrir le bon. Donc ça m'a fait trop plaisir qu'il prenne un peu de temps pour me faire quelque chose de visuellement joli pour introduire donc ce massage. Je ne voulais rien d'autre que ça, mais il a tenu à ce que j'ai quelque chose de physique et donc il m'a demandé des idées. Et je lui ai parlé de cette magnifique collection de la marque... Quelle est la marque? C'est The Lemonade Home, qui est donc la marque de déco de la marque Make My Lemonade, marque que vous connaissez très certainement, cofondée par Lisa Gachet il y a quelques années. C'est une marque dans laquelle j'ai quelques vêtements que j'aime beaucoup, c'est une marque très décalée, ils sont assez inclusifs au niveau des tailles, j'aime beaucoup les coupes, les couleurs, je possède pas grand chose mais les pièces que j'ai, je les aime beaucoup. Et donc Lisa et toute son équipe ont développé une marque de déco il y a quelques années en arrière maintenant, et ça fait... des mois que j'ai cette qu'est-ce que c'est que cet objet, cette théière, en tout cas moi je vais pas forcément m'en servir comme théière, que j'ai donc cette théière dans le viseur. Je vais sûrement en servir pour servir des boissons fraîches l'été, j'aime bien faire du thé glacé maison ou ce genre de choses, ou pour tout simplement servir de l'eau parce que je bois du thé mais pas assez pour me servir une théière comme ça, ou alors si j'ai des amis qui viennent à la maison et qui veulent en profiter, je le vois plus comme un objet de déco que comme un objet pratique. Et voilà, je suis très contente, je l'ai mise vraiment comme un objet de déco dans mon bureau, juste devant, enfin juste derrière l'appareil photo, là, à l'endroit où je filme, parce que je trouve que c'est très joli. Et ça fait un moment qu'il les a achetés parce que j'avais vu un retour en stock sur le site. Et je lui avais dit, bah, voilà, si tu veux m'offrir ça à mon anniversaire, je te conseille de passer commande tout de suite. Donc ça faisait longtemps que le carton était dans le bureau, j'avais très envie de l'ouvrir. Et il m'a pris avec cette tasse. Alors la théière, je sais pas dans combien de couleurs elle existe. La tasse, je sais qu'elle existe dans d'autres teintes, mais... est-ce que c'est surprenant? Je l'ai choisi en rose. C'est donc un grand mug. Voilà, vous avez le logo dans quel sens? The Lemonade Home à l'arrière. Je sais pas du tout si ces produits sont encore en stock parce que voilà, c'est produit de façon assez raisonnée d'après ce que je vois. Donc si ces produits vous intéressent, je vous invite à suivre l'actualité de la marque s'ils ne sont pas disponibles actuellement sur le site. Cette tasse qui peut paraître un peu... enfin, peu pratique quand on la regarde, et en fait, elle se tient hyper bien. Voilà, je trouve le mélange de couleurs, les formes très sympas, et c'est mon petit mug pour le café le matin. Je ne l'ai pas trop montré ces derniers temps, parce que je voulais vous garder la surprise pour la vidéo, mais voilà, c'est un mug que j'utilise pas mal, et du coup, je le remets à sa place avec la théière. Voilà pour les cadeaux de Quentin. Je continue sans aucun ordre. De la part de ma meilleure amie Morgane, j'ai reçu un bouquet de pivoine. Je vous mets une photo juste ici. Je ne voulais pas qu'elle me fasse de cadeau, elle m'avait demandé ce que je voulais, et en fait, alors au moment où vous verrez cette vidéo, on sera revenu de Brighton, au moment où je filme, on n'est pas encore parti. C'est notre petit voyage entre meilleurs amis qu'on s'organise depuis quelques mois maintenant. Donc je lui ai dit ne m'offre rien parce que je pense que sur place on se fera bien assez plaisir, et vraiment mon plus beau cadeau c'est de passer ce moment avec toi. Mais elle a tenu à m'envoyer cette belle surprise, les pivoines sont mes fleurs préférées si vous me suivez depuis longtemps, mon bouquet de mariage était composé exclusivement de pivoine, j'avais même pas de feuillage à l'intérieur, c'est vraiment une fleur que j'adore, donc ça m'a beaucoup touchée. J'ai la chance du coup d'être née et de fêter mon anniversaire autour de la période des pivoines, donc c'est une fleur qu'on m'offre assez fréquemment. Le bouquet était magnifique, il venait de chez Monsieur Marguerite et je l'ai conservé plus d'une semaine, ce qui est quand même assez rare pour des pivoines, c'est une fleur qui est assez fragile, j'en ai pris soin, j'ai changé l'eau tous les jours, coupé un peu les...
j'allais dire couper les pointes, on n'est pas chez le coiffeur, couper les tiges pour qu'elles durent un peu dans le temps, et je les ai gardées quasiment 10 jours, donc voilà, ce joli cadeau, cette belle surprise m'a fait très plaisir. On va continuer avec une luminosité qui diminue au fur et à mesure de la vidéo. Je filme cette vidéo dans la période où il fait 14 degrés, où on est voilà, dans cette tenue-là. J'espère qu'au moment où vous la regardez, le temps est meilleur, parce que là, fin du mois de mai, c'est désespérant. Je me suis mise dans une pièce de l'appartement, dans le bureau, où normalement la luminosité est correcte à cette heure-là, parce que la fenêtre regarde plein ouest et que je filme à 17h, mais on ne pourra pas faire beaucoup mieux que ça. On va continuer avec les cadeaux de ma belle-maman. J'ai l'immense chance, parce que franchement, je vois beaucoup d'histoires sur TikTok de personnes qui ont des belles-mamans horribles. Moi, j'ai une belle-maman que j'adore, et je sais qu'elle regardera cette vidéo. Donc je lui ai redit vraiment, c'est la belle-mère, je pense que toutes les belles-filles souhaitent avoir, parce qu'elle est vraiment d'une gentillesse, d'une générosité avec moi. Elle m'a demandé ce que je voulais, je vais donner deux petites idées. Ce vinyle de Michel Legrand, donc ce sont des reprises de Michel Legrand, ça s'appelle Hier et Demain. Vous avez des reprises de Juliette Armanet, Thomas Dutronc, Clara Luciani. Je vais pas vous faire tous les artistes. J'ai une platine vinyle dans le salon. Vous me demandez souvent des conseils sur cette platine. Ça fait très longtemps que je l'ai, plus de 10 ans. Et elle est très belle, mais le son est catastrophique. Donc un jour, je me rachèterai quelque chose de peut-être moins esthétique. Parce que c'était vraiment stupide comme achat à l'époque. Je voulais vraiment une belle platine. Ce qui est bête, parce que l'idée, c'est quand même d'avoir un joli son. Donc j'achèterai quelque chose de moins esthétique, de peut-être un peu plus coûteux, parce qu'elle n'aurait pas coûté très cher, mais pour avoir une meilleure qualité de son, ça reste quand même correct pour écouter mes vinyles. J'aime beaucoup l'objet vinyle, je suis très contente d'avoir celui-ci. Voilà, je vous montre la pochette à l'intérieur, et bon, je vous fais pas un dessin sur ce à quoi ressemble un vinyle. En quel sens j'ai mis la pochette? Comme ça. Voilà, vous avez le visage de Michel Legrand sur la face A, et les titres, enfin le titre du vinyle sur la face B. L'une de mes reprises préférées sur ce vinyle étant sur la face B, c'est la première chanson, c'est Les Moulins de mon cœur, repris par Juliette Armanet. C'est une chanson que je mets assez souvent en story sur Instagram, parce que je trouve la reprise d'une douceur incroyable. J'aime beaucoup la voix de Juliette Armanet, c'est une de mes chanteuses préférées là de ces dernières années. Vous avez aussi la chanson Sans toi, Les parapluies de Cherbourg, Chanson d'un jour d'été, Chanson des jumelles. Bref, un super vinyle que je suis ravie d'ajouter à ma collection. Autre idée cadeau que je lui ai soufflé, c'est un flacon de vraiment l'un de mes parfums préférés. Je pense que c'est le parfum que je porte depuis le plus longtemps, parce que je l'ai découvert, donc je vais pas y aller par quatre chemins. L'eau de toilette fleur d'oranger de chez Fragonard. Fragonard, c'est une très belle maison de parfumerie qui est située à Grasse, donc vraiment au cœur de là où on crée bien les parfums. J'ai visité l'usine Fragonard en 2000, enfin je sais pas en quelle année, mais j'avais 18 ou 19 ans. C'était une de nos premières vacances de couple avec Quentin. On était partis en vacances à Antibes, et donc on avait fait un petit saut par Grasse. J'ai découvert la confection de ce parfum, j'ai eu un coup de cœur pour son odeur en visitant l'usine, parce qu'en plus il y avait des fleurs qui étaient, je ne sais plus quel est le terme employé, mais la fleur d'oranger est une fleur très fragile. On peut pas la passer dans un alambic, parce qu'on viendrait détruire l'huile essentielle qui s'appelle donc le néroli, et on vient mettre la fleur dans de la cire. Je ne sais absolument pas comment s'appelle ce procédé. C'est un parfum que j'adore pour son odeur, que j'adore pour son histoire, qui me rappelle beaucoup de souvenirs, que je porte donc depuis quasiment 20 ans et que j'aime d'un amour infini. C'est un cadeau, donc je ne suis pas censée savoir le prix, mais avant ça je l'ai beaucoup acheté moi-même, donc je sais le prix qu'il vaut. C'est un parfum qui est assez peu cher pour la qualité qu'il représente. Fragonard, c'est une maison qui fait pas de publicité, qui a pas d'égérie, donc qui propose des parfums à des prix très justes pour une qualité incroyable. Faites attention, chez Fragonard, il y a l'eau de toilette à la fleur d'oranger, c'est celle-ci, qui est présentée dans ce flacon de, je crois que c'est 100 ml, ça doit exister en 50 et en 30, et vous avez l'eau de parfum à la fleur d'oranger, que personnellement je n'aime pas du tout, qui est très différente de l'eau de toilette, donc je vous invite voilà, à bien tester les deux, si cette odeur vous intéresse, sachant que vous avez donc bien sûr les points de vente au magasin d'usine à Grasse, avec, je ne suis pas certaine de ce que j'avance, mais probablement des prix d'usine. Vous avez le site internet, donc là vous pouvez pas tester les senteurs à l'avance, et vous avez quelques points de vente dans les grandes villes, à Paris c'est sûr, à Lyon je suis quasiment certaine, il faut peut-être regarder sur le site internet. Mais voilà, c'est une maison que je vous invite à découvrir, et ce parfum, je vais m'en remettre, vraiment je l'adore. C'est un parfum qui me rappelle plein de souvenirs, c'est une fleur d'oranger qui est très fraîche, mais qui est assez construite, et c'est voilà, c'est une Madeleine de Proust, c'est vraiment un parfum je pense que je porterai toute ma vie. Donc voilà, très très contente de ce joli cadeau, surtout dans un grand flacon comme ça. Et pour info, on peut aussi l'acheter en recharge. Ce sont des grands bidons en aluminium qui protègent le parfum de la lumière.
Et le flacon, la recharge, fait 500 ml, je crois, ou quelque chose comme ça. Voilà, si c'est une odeur que vous adorez, sachez qu'il existe aussi en recharge. Et donc c'était bien assez, mais ma belle-maman m'a également fait un virement en me disant « je te laisse t'acheter d'autres choses si tu as des envies, des besoins ». Donc c'était déjà très très bien comme ça, mais avec le très généreux virement qu'elle m'a fait, je me suis acheté deux choses. Tout d'abord, le Polaroid One Step SX70 Camera, rien que ça, en version Lego. Je me suis pris une passion ces dernières années pour les Lego pour adultes, non pas qu'il y ait des Lego pour enfants, mais voilà, vous voyez à peu près à quel public ça s'adresse. Ça s'adresse un peu moins à un enfant. Donc c'est un appareil photo Polaroid refait en version Lego. Je sais pas si c'est à l'échelle, parce que je me rends pas bien compte de la taille de l'appareil photo à la base, et vous avez même un système où vous pouvez cliquer sur un bouton pour faire sortir tout simplement les Polaroids qui sont livrés avec. Je sais pas s'il précise combien d'heures de montage, ça n'a pas l'air d'être écrit. Ça me paraît moins ambitieux, il y a 516 pièces, il marque pour 18 ans et plus. Ça me paraît moins ambitieux que la vague de Hokusai que Quentin m'avait offerte, qui est devant moi. Je vous remettrai sur l'écran la vidéo dans laquelle j'en parlais parce que c'était un de mes cadeaux de Noël ou d'anniversaire récent. Je parle donc de l'estampe japonaise, parce que j'ai bien retenu le nom, qui s'appelle La Grande Vague de l'artiste Hokusai, qui est un artiste japonais. C'est une œuvre qui est très très connue et qui a donc été déclinée en Lego. Je vous retrouverai la vidéo, je vous la mettrai sur l'écran. Donc voilà, ça sera mon prochain grand projet créatif, sachant que la vague m'a pris 3 heures seule, je crois. Quentin et Inès m'avaient un tout petit peu aidé au début. Ça me paraît quand même moins ambitieux comme projet, donc je pense que ça sera fait un peu plus rapidement. Mais voilà, grand plaisir pour tous ces Lego. Je vous invite à vous renseigner pour des cadeaux, je trouve que c'est une super idée. Donc là, c'est le Polaroid, mais vous avez la maison de Harry Potter, vous avez le Central Perk de la série Friends, vous avez des bouquets de fleurs, il y a plein de choses qui existent. Et avec le reste du virement, parce que donc je vous ai dit, j'ai eu quand même beaucoup de choses, je me suis passé une petite commande chez Sephora dont je vous avais parlé sur Instagram et dans un vlog. Donc je viens ici pour vous donner mon retour sur ces produits. Et puis j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler dans de futures vidéos favoris. J'ai repris un flacon, un tube de l'anti-cerne Dior Backstage dans la teinte 1N, qui est mon correcteur de tous les jours, que je ne compte pas changer de sitôt. J'ai pris le Pout Preserve Peptide Lip Treatment de chez Ulla Henriksen, que je possédais déjà en version incolore que la marque m'avait envoyée. J'avais très envie de tester cette petite version un peu bois de rose, c'est ce que je porte aujourd'hui. C'est vraiment le très très bon baume à lèvres, dans le sens où c'est un baume à lèvres qui fonctionne, qui protège, qui hydrate, qui nourrit, avec ce petit truc en plus, avec cette couleur. Ça fait un petit moment que je l'ai, je sais pas si ça remarque encore, mais c'est un très bon 2 en 1. C'est rare d'avoir un produit qui fasse aussi bien soin que maquillage. Pari réussi pour ce produit dont j'avais entendu beaucoup de bien, donc c'est pas très surprenant. Ensuite, le Cooling Water Jelly Tint de chez Milk, des petits blushs version gelée qui ont fait grand bruit. On dirait vraiment de la gelée à manger. J'ai choisi la teinte Spritz, qui est un rose avec une pointe de corail. Est-ce qu'on est surpris? C'est juste ici, ça paraît assez transparent, mais c'est une texture assez... Alors c'est très frais, c'est assez intrigant comme produit. Ça s'estompe bien, ça laisse un voile de lumière. Par contre, une fois que c'est en place, voilà, ça ne bouge plus. La tenue est excellente. Après, c'est une couleur avec un rendu un peu en aplat, il n'y a pas de relief, il n'y a pas de paillettes, rien du tout, donc c'est à voir selon ce que vous aimez, mais moi je m'étais pas mal renseignée sur le produit, donc je suis pas déçue. Ensuite, j'ai pris le Big Lip Plum Gasm Pillow Talk, ce nom est imprononçable, de chez Charlotte Tilbury. Pillow Talk, c'est une teinte iconique chez Charlotte Tilbury, ce bois de rose un peu mauve, et donc ça c'est une version un petit peu gloss. Là où j'ai été bête, c'est qu'il est écrit Plum Gasm, donc on s'imagine que ça va avoir un côté repulpant. En effet, c'est le cas. Donc il y a une petite odeur un peu mentholée. Voilà la teinte, en revanche, c'est une teinte qui est ravissante, mais il y a un côté un peu repulpant, mentholé, qui me plaît pas du tout, mais j'avais qu'à me renseigner. Je l'ai acheté de façon un peu impulsive parce que vraiment j'aime beaucoup cette teinte dans la marque Charlotte Tilbury. Donc si vous cherchez quelque chose pour redonner un peu de volume aux lèvres, vous serez ravis. Si comme moi c'est pas quelque chose que vous appréciez, vous serez déçus, le mot est un peu fort, mais j'aurais préféré un truc sans odeur, ou en tout cas sans ce côté un peu piquant, repulpant, que je trouve pas agréable du tout. Et dernier achat de cette commande Sephora, la crème contour des yeux Banana Bright Plus. Plus parce qu'elle a été reformulée récemment par la marque Ulla Henriksen. Elle ne comporte plus de parfum et je crois que les actifs sont plus puissants. C'est une crème contour des yeux avec du collagène et de la vitamine C, que je trouve d'une efficacité redoutable. Pour moi, c'est l'une des meilleures sur le marché. Je ne l'ai pas encore ouverte parce que j'ai d'autres petits trucs à finir, mais voilà, elle se présente comme ça. C'est une des rares crèmes contour des yeux avec lesquelles j'ai vraiment eu un effet probant sur l'apparence des cernes,
des poches, etc. C'est l'une des meilleures dans le domaine. De la part de mon amie Estelle, je vais faire gaffe avec mon truc sur la main, avant de m'en coller sur mon pull blanc. De la part de mon amie Estelle, elle m'a offert très gentiment quelque chose qui m'a fait extrêmement plaisir parce que je m'y attendais pas du tout parce que j'étais absolument pas au courant. Elle m'a offert une place pour aller voir la pièce de théâtre Changer l'eau des fleurs, enfin une place pour moi et une place pour elle bien sûr, donc je suis trop contente d'aller voir cette pièce de théâtre avec elle. Ça se passe à Genève, donc pour information je vis à Annecy, Genève c'est en Suisse mais c'est à moins d'une heure de route de chez moi. Je ne sais plus dans quel théâtre ça se joue. Bref, Changer l'eau des fleurs, c'est un des romans qui m'a le plus bouleversée ces dernières années. C'est un roman qui a été écrit par l'autrice Valérie Perrin, dont j'aime beaucoup le travail. J'ai aussi lu un livre qui s'appelle Trois qu'elle a écrit. Et encore un autre dont j'ai oublié le titre, mais c'est vraiment une autrice que j'aime beaucoup. C'est un roman qui m'a bouleversée, ça fait partie de ces livres que je n'oublierai jamais. J'ai un exemplaire chez moi, je ne le donnerai jamais, je veux absolument le garder pour pouvoir le relire plus tard. Et donc ce roman a été adapté en pièce de théâtre. Il y a eu plusieurs représentations à Paris pendant pas mal de temps. Et toutes les fois où je me rendais à Paris ces derniers mois pour le travail, je n'ai jamais réussi à voir cette pièce parce que ça tombait pas sur les bonnes dates, donc je n'étais pas du tout au courant que la troupe, je sais pas si c'est la même, passait à Genève, et donc Estelle m'a fait le grand plaisir de m'offrir une place pour aller voir cette pièce. Je pense que je vais finir en larmes, si vous connaissez l'histoire, c'est extrêmement poignant, émouvant, donc je pense que je vais finir sur les rotules. Ça va être très très dur de regarder ça en vrai, mais j'ai très très hâte de voir cette pièce, donc voilà. Merci encore Estelle, si tu passes sur cette vidéo. Et on finit par les cadeaux de mes parents. J'avais pas trop d'idées et en fait j'ai été, comme souvent, très très bien ciblée par les pubs sur Instagram. Je sais qu'il y a des personnes qui se plaignent en disant je reçois des pubs qui n'ont pas vraiment de sens. Moi je pense que Instagram a complètement ciblé mes centres d'intérêt, ce que j'aimais, etc. Et je suis donc tombée sur des pubs ciblées de la marque La Fée Maraboutée, qui est une marque de mode que je connais depuis vraiment plusieurs années, dans laquelle j'achète pas grand chose. J'ai un t-shirt de chez eux, j'ai un pull aussi, mais j'ai pas beaucoup d'autres choses. C'est une marque dans laquelle je trouve qu'il y a de très belles choses et d'autres choses qui me plaisent moins, un peu comme chez ProMode. Chez ProMode j'ai beaucoup de pièces qui me plaisent beaucoup, puis de temps en temps il y a des pièces que je trouve un peu datées ou avec des motifs un peu grossiers ou des matières qui me plaisent pas. Mais dans les choses qui me plaisent, il y avait deux robes, donc mes parents m'ont offert deux très jolies robes pour cet été. Donc au moment où j'enregistre, je ne les ai même pas, je les ai pas portées, je les ai même pas lavées parce que je suis vraiment pas là de les mettre, il fait genre 14 degrés. Je vais pas les essayer parce que donc pareil, je suis pas du tout habillée comme il faut et puis elles sont pas lavées. Je les ai juste essayées quand je les ai reçues pour être sûre que la taille convenait. Donc je vais vous mettre sur l'écran des photos des mannequins. Les mannequins sont beaucoup plus fines que moi, donc le rendu est pas tout à fait le même, mais voilà, ça vous donnera une idée de ces robes. Et vous me verrez bien à l'avenir les porter sur Instagram, c'est certain. Donc la publicité ciblée portée sur l'une des deux, je crois que c'est celle-là. Cette robe, elle crie mon nom. Gaze de coton, avec un coloris vert. Alors j'ai pas l'habitude de porter ce... Dans le retour écran, la couleur est pas du tout fidèle, donc j'espère que c'est un vert très très vibrant. Là c'est à moitié vert gris. J'ai pas l'habitude de porter des couleurs aussi flashy, mais c'est un peu une résolution. Pareil, le mot est un peu fort, mais d'intégrer un peu plus de couleurs, parce qu'en fait j'ai pas de mal à porter de couleurs, hein. Ça me demande pas un effort, mais je me tournerais peut-être vers quelque chose d'un peu moins flashy que ça. Alors, je pense qu'elle rend rien du tout comme ça, parce qu'en fait elle se noue sur les côtés ici pour cintrer. Donc là on dirait une sorte de grande robe comme ça, ça n'a aucun sens, mais elle est vraiment très très belle, avec un beau détail tressé sur l'encolure, et donc ces deux tresses voilà, qui se rejoignent de chaque côté de la taille. Elle est très très longue, vraiment très très longue, ce qui me fait dire que si vous êtes petite, bah, il faudra soit la reprendre, la faire reprendre chez un couturier, ou par vous-même si vous avez ces talents-là, talents que je n'ai pas, ou bien y renoncer. Mais pour les très grandes comme moi, je fais 1m78, quel plaisir d'avoir de vraies robes longues. Je reviens là à l'instant de chez Uniqlo, où j'ai essayé une robe qui est, la façon dont elle est présentée, qui est étiquetée comme une robe longue, et bah sur moi, elle tombe pile au milieu du mollet, donc c'est nul, il la faut soit 10 cm plus court, soit 10 cm plus longue, et je l'ai essayé dans la cabine, ça n'a aucun sens, on dirait que j'ai pleuré pour la voir. C'est la longueur intermédiaire. Celle-ci est vraiment XXL et elle est ravissante, je suis très très contente de cette robe. Pour info, j'ai pris une taille 40, je connais pas la marque, mais sur ces deux modèles, c'est un 40 assez généreux. Si vous êtes entre deux tailles, je vous conseille celle du dessous. Sur un modèle comme ça, je pense que c'est tellement ample qu'on voit pas bien la différence. Et il faut dire que je les ai pas encore lavées, donc ça va probablement un petit peu bouger après lavage à la machine. Et alors, vous ne rêvez pas, cette robe est noire. Je suis de plus en plus attirée par des vêtements noirs, bah, donc à nouveau. Je reviens de chez Uniqlo où j'ai acheté un gilet noir, voilà, qu'est-ce qui m'arrive. Mais par petites touches, enfin là c'est plus qu'une touche parce que c'est une robe longue, c'est une couleur qui m'appelle de plus en plus, ce qui n'était pas du tout le cas ces 10 dernières années, je trouvais que c'était très sombre. Donc on est toujours sur une robe, cette fois-ci dans une sorte de...
qu'est-ce que c'est que cette matière? J'ai envie de dire de la popeline de coton, je sais pas si c'est vraiment ça, mais un coton très léger. Vous avez toute une partie ici brodée avec un jeu de transparence. Comment est-ce que je peux vous montrer ça? Voilà, vous voyez là, on voit la peau à travers. Donc on est au-dessus du nombril, donc il n'y a pas d'attentat à la pudeur, mais vous voyez l'esprit. Plein de petites fronces sur le décolleté, toujours un décolleté en V, et c'est une robe sans manches, qui est un truc que j'ai pas du tout l'habitude de porter. Idem, c'est une robe qui est très 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 longue. Celle-ci n'a pas de fente sur les côtés, contrairement à la verte qui en a une de chaque côté, parce qu'elle a une coupe un peu plus ample sur le bas, donc on peut se déplacer sans difficulté lorsqu'on la porte. Voilà, je suis ravie, c'est une robe qui est élégante avec ce petit truc en plus. Même conseil de taille, si vous êtes entre deux tailles, prenez celle du dessous, sa taille je trouve assez généreusement. Et j'ai un mariage fin juin, j'étais quasiment prête à la mettre, mais du noir à un mariage, je trouve quand même que c'est triste. Mais bien pimpé avec un petit sac, j'ai un sac en raffia de chez... Quelle est la marque ? Sandro, c'est Quentin qui me l'a offert. Avec des bijoux dorés, un petit chignon bas, je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose d'élégant, mais je pense quand même que le noir à un mariage c'est un petit peu morose. Donc, dans l'intervalle, si vous avez suivi mes récents vlogs, j'ai trouvé une très belle robe parfaitement adaptée pour le mariage en question. Mariage qui se déroule dans un golf, donc je pense que ça va être assez chicose, assez élégant. Ça se passait, les essayages de cette robe, ça se passait dans un vlog aussi que je vous mettrai sur l'écran si vous l'aviez loupé. Une jolie robe de chez Des Petits Hauts. Je vérifie ma liste pour être sûre que je n'ai rien oublié. Quentin, parents, belle maman, Morgane, Estelle, ben non, c'est bon, je vous ai tout dit. Voilà pour cette vidéo cadeau d'anniversaire. Je vous donne rendez-vous. Alors l'année prochaine, pour une nouvelle vidéo, je vous mettrai en pastille en miniature à la fin de celle-ci, l'édition de l'année dernière si vous l'aviez loupée, et vous me retrouverez également fin décembre pour vous présenter mes cadeaux de Noël. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Je vous propose une vidéo tous les dimanches à 6h du matin, et je ferai peut-être une petite pause de 2 semaines cet été, j'ai pas encore décidé, mais je vous en reparlerai en temps voulu. Merci de m'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.